9. Rond-point. Y sommes. Changement de côté, on suit le passage. Voilà, on continue de gens. On récupère notre piste cyclable à l'entrée du Paimbœuf. Et direction le centre-ville. Sur la gauche, on passera devant le camping municipal. On voit l'entrée légèrement sur la gauche où il y a un camion blanc. Nous, on va continuer tout droit, toujours sur notre piste. C'est une rue aménagée, côté cycliste, côté piéton, et au milieu les parkings à voitures. Il y a de la place, ça roule très bien. À côté, on va aller du côté du port. Avec une voie partagée avec les voitures. Un petit morceau, on aperçoit le port. On va prendre la petite piste cyclable qui longe le port. Super sympa. Et c'est très roulant, partagé avec les piétons. Sur le port, les pêcheurs.
on quitte le port pour continuer dans une partie du centre-ville pour sortir de Paimbœuf. Voilà, bien regarder les pancartes, pas trop visibles. Voilà, on continue. Et ça va nous faire sortir de Paimbœuf en direction du Pèlerin. Commence à sortir de Paimbœuf, on voit des panneaux qui indiquent les ronds-points, direction le Pèlerin. Sur la droite, nous avons le Super U. Voilà, on l'aperçoit là. Le Super U sur notre droite. Et le rond-point va nous indiquer la direction du Pèlerin. Par le Vélo 6. Voilà, bien regarder les pancartes. Et on continue sur la piste cyclable qui se trouve sur le long de la route. Voilà, en direction du Pèlerin.
traverse la zone industrielle. On reprend une piste cyclable qui se trouve le long. Voilà, nous là dans la campagne, sur les petites routes, il n'y a pas grand monde. Direction Pellerin. Thank you.
Et on continue sur notre petite route de campagne, sur l'Eurovélo 6, en direction du canal de la Martinière. C'est juste avant le Pèlerin. Vire à gauche, petite pancarte sur la droite, là, on continue, direction le canal de la Martinière, juste avant le Pèlerin. Petit village de Malabry sur la droite, les petites maisons. Donc direction le canal de la Martinière, qui est parallèle à la Loire.
On revient sur la gauche, on a vu les panneaux, petite pancarte marquée Nantes et Le Pèlerin. Donc on continue sur notre route de campagne, direction le canal de la Martinière. Bientôt arrivé au canal de la Martinière qu'on va trouver sur la gauche. On va passer à côté de l'écluse du Carnet, le bassin du Carnet qui est juste sur la gauche, un peu un cimetière à bateaux aussi. Voilà, on aperçoit le canal sur la gauche, il y a quelques vieux bateaux. Donc la voie sur berge du canal est très longue. Sur la gauche, sur le canal, on aperçoit un petit pont qui sert à aller sur un chemin sur une petite île qui est juste en face. Là, on va arriver au camping du Migron bientôt. Restaurant du Migron. Sur la droite, on le voit bien là. Et un petit peu plus loin, il y a le camping. Voilà, on passe au-dessus du ruisseau qui s'appelle le Migron, et sur la droite on aperçoit le camping. Donc nous on file tout droit. Alors cette bosse sur berge est très longue, on l'a coupé un petit peu au montage, c'était trop long. C'est toujours tout droit, on file direction le Pèlerin en suivant le canal. Toujours notre canal sur la gauche, canal de la Martinière. Voilà, on va arriver au... Les Champs Neufs, ça s'appelle. C'est un pont-barrage. Alors normalement, il faut filer tout droit. C'est la voie dite officielle. Nous, on a changé de côté. On a traversé le pont. On a été voir le bâtiment.
Et du coup, on a traversé sur le petit pont barrage. Donc normalement, il faut filer tout droit, mais ça rejoint au même endroit, de toute façon. Donc il y a deux rives, soit la variante, soit l'officielle. Voilà. On s'est dit, c'est plus joli par là, on est passé par là. Donc pour visiter, on est passé par là, on a continué de toute façon. Vu qu'il y a deux voies parallèles au canal. Donc on a testé le revêtement, il est moins bon de ce côté-là apparemment. Voilà, la passerelle en bois, super joli, ça fait du bruit, mais ça roule bien. Là c'est toujours tout droit, donc on a allégé le montage en coupant ces grandes lignes droites. Donc on a changé de rive, on est sur la rive gauche du canal, donc on voit le revêtement, il est moins bon que l'autre côté. Allez, on reprend un petit pont et on revient sur la rive dite officielle du circuit. Donc on va sur la droite. Normalement, on aurait dû arriver de là. Voilà, on voit la pancarte sur la droite. Et donc on va continuer. Récupère notre petit pont pour filer toujours tout droit vers le pèlerin. On voit la pancarte. Donc il y a deux voies parallèles qui sont rejointes par les ponts. Pas de soucis. Passage devant la bosse nautique. En direction du bar et du restaurant de la Martinière, qui se trouvera sur la gauche.
Donc on est toujours sur le canal, sur les voies sur, la voie sur berge, et on passe devant le bar-restaurant de la Martinière, direction le Pèlerin. En vue un petit pont pour quitter le canal de la Martinière qui a une longueur de 15 km. Donc c'est assez long, la piste est toute droite. Voilà, on va sortir pour aller en direction du Pèlerin par les petits chemins. Petite halte pour visiter la machinerie de l'écluse. Voilà, on arrive à la Martinière. Là. Au lieu dit la Martinière. Et on suit les pancartes. Petite piste sympa dans l'arrière-pays, ça roule bien. Direction le Pèlerin au niveau de l'embarcadère, le bac on appelle, le bac sur la Loire pour faire la traversée éventuellement. Un petit peu de monde sur la piste.
Bon, bah là, on est arrivé au Pèlerin, le long de la Loire, direction le. Un peu le port. Continue toujours et on va bientôt arriver au niveau de l'embarcadère qui permet de traverser la Loire. On l'appelle couramment le bac du Pèlerin. Sur la gauche, on voit les files de voitures qui font la queue pour embarquer sur le bac pour faire la traversée de la Loire qui va nous emmener de l'autre côté de la rive, le port Launay, direction Couéron après, par la rive droite de la Loire. C'est une variante. Ou bien on continue cette piste pour aller vers Saint-Jean-de-Boiseau en suivant la Loire. Il y a le choix. Voilà, on voit les voitures qui se préparent. Pour être chargées sur le bac.